Bienvenue pour suivre un nouvel sport. Aujourd'hui, nous commençons avec une nouvelle de la 12e édition de l'Afrique qui peut faire Maroc. Au cours de la journée hier, 26 silhouettes en action de l'athlétique et l'Evois. D'athlétique, médaillé l'or des îles, Natacha Chetty, s'est fini 9e de saut en hauteur avec performance 1,70 m. Tandis que dans l'Evois de catégorie 73 kg, Rick Confiance s'est fini 5e parmi 9 compétiteurs avec un total de 166 kg. Performance Confiance dans Snatch 620 kg et de Clean and Jerk 146 kg. Sailing de championnat d'Afrique optimiste qui peut faire ici. C'est toujours un Angolais qui peut dominer le classement général après deuxième la journée aujourd'hui. Tout même tient la journée, côté tenant seulement de la course au lieu 3 qui tient programmé. Meilleur compétiteur cécélois après 4 la course, ti Luca Mazzocchi, qui ti classé 13e de 42 compétiteurs. Malgré ban compétiteur ti sorti à l'air pour respecter départ midi pour premier la course aujourd'hui, mais ça pas matérialisé. Un manque divan ti retard de départ 4e la course, c'était tard après-midi qui ban compétiteur ti capable sorti pour compléter sa première la course pour deuxième la journée sa championnat l'Afrique. Là, tu n'as pas changement, c'était encore un Angolais qui prend les premières trois positions, avec Fernando Sapalo, suivi par Romancio Paolo et Joanna Brito, qui bien CNP, qui prend la troisième position aujourd'hui, et lui classé 9e en général, mais premier pour une fille. Donc, classement officiel après 4 premières courses à championnat, c'est Romancio Paolo qui peut dominer avec 7 points après finir 1 fois premier et 3 fois deuxième. Fernando Sapalo est deuxième avec 16 points. L'autre Angolais, Wilson Kamato, est troisième avec 19 points. Quatre les autres compétiteurs sortis Angola et dans premier 10 le classement général. Meilleur compétiteur cécélois de 4e la course est Yves Fauquen qui s'est fini 18e, mais c'est Luca Mazzocchi qui est plus bien placé le classement et 13e avec 69 points, même quantité que Fauquen qui est 14e. Meilleur compétiteur fille cécélois est Stéphanie Lalande qui est 36e avec 122 points. Troisième la journée, sa championnat d'Afrique et demain, compte encore 3 la course et le programme à partir midi. À présent, nous voir football, côté de match Ligue Première Division qui nous joue aujourd'hui au Stade d'Unité. Saint-Louis fait victoire 4 goals l'ON contre Victoria City. Entre-temps, action Ligue Première Division pour quotidien demain avec rencontre Saint-Michel qui besoin Red Star Defense Forces 5h30 toujours au Stade d'Unité. Et après vendredi, c'est Northern Dynamo qui peut rencontrer l'équipe pralinoise Light Stars 5h30 au Stade d'Unité. Samedi passé, bonnes enfants primaires sortis dans différentes écoles, qui gagnent introduit avec cricket et qu'on a plus l'osa sport. Ça, c'est à travers un programme que l'association cricket Cécile a initié ensemble avec une équipe cricket appelée Titans sortie Sud-Afrique. Bonnes enfants, qui gagnent sens pour vous apprendre un petit peu bonne la loi et bien sûr bonne technique pour pratiquer sa sport. Un reportage Lydie Morel. Cricket est un sport qui n'est pas vraiment populaire parmi les jeunes Cécilois. Et justement, c'est pour sa raison que l'association Cricket Cécile, ensemble avec un team cricket basé Sud-Afrique, Titans, a décidé d'organiser une activité avec les enfants primaires sortis de l'école région Normae pour introduire un petit peu la base et règlement de sa sport et en même temps encourager les autres pour développer l'intérêt de sa sport. Bonnes enfants, qui a rassemblé bon matin au stade populaire, qui a divisé dans différents groupes. Côté là, bonne l'équipe Titans, qui explique zot et fait bonne démonstration technique cricket. Bon, simplement, on voit boule pour bon amis, gobe là-bas et puis
pour bon jambé ou envoyer coup l'autre ballon pour passer. Tu veux jouer cricket? Nous tapons boule pour nous avoir tailler. Il est bien difficile. C'est un petit goût, Feli. Last year we hit the same thing, the Titans from the South Africa, they came last year, but I can see a lot of people, a lot of locals, people, local children, they are interested and they are now coming more in the numbers. I think it's a double, twice than last year. So I think maybe in a couple of years we will see a good cricket in the Seychelles. Chairman l'association cricket, c'est la monsieur Jonathan Cole. Il dit qu'il vit sa activité, c'est pour aussi tirer un petit peu sa perception que cricket existe un jeu par bon étranger. Il s'est pour lui ajouter qu'il sa l'association et envisage de continuer avec une telle activité et faire vivre les autres l'école aussi. Well, the aim of the activity is to introduce cricket to the young Seychelles children. Basically, that's the whole idea, because we want to try and build the sport in Seychelles and get everybody playing. Well, we've started some programs. Saturday we have training at Rosh Kaimo, and now we're working on a little agreement with Perseverance School, and we're going to be helping them form a cricket team. So basically we're just trying to develop cricket wherever we can. I think there's a perception that that Indian people just play cricket, but it's not the truth. If you look here, you'll see all these South African chaps, they're from all different cultures. They play cricket, and the other thing is they earn a lot of good money, and that's something that the Seychelles children should think about. We have gone into most of the schools, and in the next few months you'll see we've got equipment we'll be giving to some schools, and yeah, we definitely, that's our whole object, that's the game. C'est un plaisir pour avec vous par l'habitude, merci pour qui nous suivent.